Bonjour à toutes et à tous, je me présente Axel Varnot, apprenti au sein UIMMM CFAI Saint-Dizier. Je vais vous présenter l'atelier de maintenance. Donc voici un collègue à moi en train d'effectuer un câblage électrique sur un banc FT. Ici la salle Easy où on fait tous nos cours en théorie sur des ordinateurs sur un site qui s'appelle Easy. Ici, deux apprentis qui effectuent un TP pneumatique. Et le sujet principal de cette vidéo, c'est la nouvelle conception d'un nouveau chef d'équipe. Bonjour, je suis Pierrick Drouin. Bonjour, je m'appelle Pierrick Drouin. Je suis chef d'équipe de la semaine. Donc le rôle consiste à gérer l'équipe des différents apprentis. Donc en les envoyant sur des différentes activités, gérer ce qu'ils font, pour faire un compte-rendu après aux formateurs, pour qu'eux puissent gérer ce qu'ils ont fait dans la semaine, donc grâce au tableau-là, avec les différents TP qu'ils ont fait pendant la semaine, où ils en sont, tout simplement. Après, j'ai refait tout ça sur PC pour que ça soit plus simple pour les formateurs. Mais voilà, c'est le rôle principal du chef d'équipe. Comme dans l'industrie... Oui, allô ? Ouais ? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Ok, je t'envoie un méga. À tout de suite. Axel, viens, j'ai besoin de toi. Il y a un problème sur la Vemato en usinage. Faut que j'intervienne tout de suite ou pas? Ouais, faut que t'interviennes tout de suite. Tu prends ta mallette avec une caméra thermique et tu... Plus d'arrosage sur... Ok. Tu vas rejoindre Emilien, il va t'expliquer le problème. Pas de problème. Bon, je viens d'intervenir, c'est bon, c'est refait. J'avais un problème sur le relais thermique, il était sauté. Donc j'ai remis en route, j'ai fait un contrôle de température. Ouais. Faudrait vérifier les filtres de l'armoire. C'est 70 degrés dans certains composants de la... Ouais, sur certains composants, faudrait y regarder. Alors, je ferai une demande donc de révision. Donc moi, je vais vous remplir votre bon et puis après, ça sera bon. Ouais, bah impeccable. Je ferai une demande de révision. Tu peux dire à Emilien qu'il peut y retourner, j'ai remis en route, ça marche. Ok, je vais l'appeler. Impeccable. Bonjour à tous, moi c'est Benjamin Malek, je suis un des trois formateurs maintenance à l'UIMM Pôle Formation de Saint-Dizier et aussi ancien apprenti du centre de formation il y a une quinzaine d'années. Donc je vous présente un petit peu ce que vous venez de voir dans la vidéo. En fait, c'est une journée type des BTS maintenance, donc chez nous, au Pôle Formation. En fait, la particularité à notre centre, c'est qu'on n'est pas sur une approche de cours magistraux comme on peut en fait avoir un petit peu partout. Nous, on a voulu casser vraiment cette pédagogie pour justement avoir une progression individuelle de chaque apprenti. Donc c'est pour ça que vous avez vu en fait tout à l'heure dans la vidéo où on avait des apprentis qui étaient sur un logiciel Easy, c'est une plateforme en ligne.
qui va permettre aux jeunes en fait de évoluer à son rythme sur les différentes matières. Donc la maintenance, hein, c'est l'électricité, la mécanique, le pneumatique, l'hydraulique. Mais tout le monde n'est pas en même temps sur l'électricité, tout le monde n'est pas en même temps sur le pneumatique, l'hydraulique ou la mécanique. Chacun avance à son rythme. Et une fois que chacun a terminé donc une partie théorique sur PC, et bien comme vous avez pu le voir, vous avez vu des jeunes sur donc des bancs pneumatiques, vous avez vu un jeune sur un banc électrique, des autres jeunes en dépannage, et bien en fait, chacun vient mettre donc en application la compétence qu'il vient d'étudier et d'apprendre. Et en fait, ce qui fait un petit peu le ciment, la colle hein, de tout ce qu'on vient de voir, on s'est aperçu aussi que le fait d'être tous individualisés, ça pouvait ne pas rassembler tout le monde. Et en fait, on a eu l'idée avec mes collègues en fait, de créer un poste de chef d'équipe hebdomadaire pour justement faire intervenir tout le monde et donc venir un petit peu faire ce qui se fait en entreprise. C'est-à-dire que dans le BTS, on apprend à donc planifier des opérations, à rendre des comptes après un dépannage, et puis à gérer aussi tout ce qui est imprévu, et puis la gestion de l'humain aussi. Hein. Donc on a un module, un bloc complet qui ça s'appelle l'organisation de maintenance. Donc le chef d'équipe, sur sa semaine, lui, il est en plein dans ce module-là, l'organisation de la maintenance. Et comme vous avez pu le constater, donc notre chef Pierrick de la semaine, eh ben lui, il vient exploiter tout ça et il vient donc approfondir ses compétences dans ce domaine. Et ça permet en fait aussi eh ben, aux jeunes qui ont fait le dépannage avant, donc Axel que vous avez pu voir, il a fait donc un apport théorique du dépannage et maintenant il va le mettre en pratique sur le dépannage que vous avez pu voir et sur d'autres dépannages aussi. Et donc ça permet vraiment en fait de lier tout cet apport qu'ils ont pu avoir donc sur PC. Le gros avantage de cette méthode qui est pratiquée ici, c'est que tous les jeunes viennent d'horizons différents. Hein, je prends un exemple, dans notre formation cette année sur les BTS, on a des jeunes qui viennent de STI 2D, on a des jeunes qui viennent de Bac Pro Mélec, on a des jeunes qui viennent de Bac Pro Maintenance. Donc celui qui vient de Bac Pro Mélec, en fait, repasser sur certains modules d'ELEC, ça va aller un peu plus vite pour lui, il va peut-être un peu s'ennuyer, donc lui il va peut-être approfondir un peu plus loin sur d'autres domaines qu'il n'a pas pu pratiquer, la mécanique, l'hydraulique, le pneumatique. Et inversement, pour celui qui vient de la filière plus générale, lui va pouvoir reprendre certaines bases qu'il n'avait pas. Et donc avec ce nouveau système, cette nouvelle méthode qu'on exploite depuis quelques mois déjà, eh ben, on a pu s'apercevoir que les progressions différentes permettaient de compléter, en fait, compléter le niveau de nos jeunes. Donc c'est quelque chose qui est pour l'instant mis en place que sur cette première année. Mais à la rentrée, en septembre, on va continuer avec ce modèle-là. Et donc on recherche aussi un plein de jeunes intéressés par la maintenance et on les invite à venir découvrir et passer une journée type aussi avec nous pour voir un petit peu comment ça se passe. Le gros avantage, c'est que si on regarde sur le référentiel donc du BTS, avant on avait un nombre d'heures, par exemple de 2 heures, 3 heures max d'application dans la semaine. Bah là, en fait, ces heures-là, elles sont dispatchées sur toute la semaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent y aller. Dès qu'ils ont terminé une compétence, ils peuvent y aller un quart d'heure pour venir comprendre, donc par la pratique, ce qu'ils ont pu voir dans la théorie. On part toujours du principe où il y a des personnes qui sont auditifs, il y a des personnes qui sont visuelles, il y a des personnes qui sont sur la pratique. Et ben en fait, cette méthode-là permet d'allier en fait toutes ces compétences-là. Donc si à la rentrée, hein, donc, tu cherches une alternance, tu es intéressé par le métier de la maintenance, ben, voilà, n'hésite pas à venir faire un petit tour à notre centre et puis on te montrera un peu plus en détail ben, comment on fonctionne à Saint-Dizier.